Layana Fojra, merci d'être parmi nous. Merci Chiquita. Vous êtes donc gérante de la société Miss Tahiti. Aujourd'hui, Vaïa Ferrand a-t-elle toujours ses dauphines ou sont-elles destituées? Alors, il n'a jamais été question de destitution, malheureusement, comme stipulé par des médias concurrents. Nous leur avons effectivement fait parvenir un courrier il y a quelques jours, il y a même une dizaine de jours, je crois bien, parlant d'une mise au point. Donc, c'était l'objet du courrier, mise au point avant une possible sanction. Mais jamais il n'a été mentionné ni parlé de destitution. Dans ce courrier, dans nos échanges de mails, jamais. Donc, c'est une erreur, c'est une fausse interprétation. Elles sont toujours dauphines. Elles sont toujours dauphines et j'espère qu'elles le resteront encore. Alors, le comité n'a jamais connu pareil laxisme venant des dauphines. Qu'est-ce qui se passe, Léane? Alors, je ne veux pas parler de laxisme parce que je pense que je ne peux pas parler en leur nom. Elles ont chacune leurs obligations. Elles ont un travail, toutes. Elles ont leurs obligations personnelles et professionnelles. Donc, c'est le contrat qui est trop lourd ou se sentirait-elle peut-être délaissée un peu par le comité Miss Tahiti? Peut-être que la part de responsabilité vient des deux parties. Je pense qu'effectivement, les obligations sont de plus en plus lourdes et compliquées parce que Miss Tahiti aujourd'hui a pris une ampleur, cet événement a pris une ampleur, je pense que c'est l'un des événements les plus attendus de l'année. Donc les sponsors nous en demandent plus, les officiels nous en demandent plus. Donc les lauréates sont de plus en plus sollicités d'année en année, effectivement. Comme Iyata le disait justement, le contrat est là pour ça, pour protéger les lauréates, effectivement, pour toutes ces sorties, toutes ces... En quoi est-ce que c'est de plus en plus difficile pour les dauphines et la Miss? Je pense parce qu'il faut savoir allier son planning personnel avec son planning d'ambassadrice pendant un an. Alors c'est vrai que c'est que un an dans toute une vie, c'est ce que j'ai tendance à leur répéter, c'est ce que le comité leur répète souvent. Mais bon, ben, c'est un an de sacrifice, mais je pense que ça en vaut la chandelle. Alors dernière question, vous cherchez actuellement de nouvelles candidates pour cette année, oui. Où en est le casting? Alors le casting se porte bien. Nous sommes contentes des résultats, des candidates qui ont déjà commencé à nous contacter via les réseaux sociaux. Maintenant, le casting n'est pas encore fermé, donc j'invite les candidates qui souhaitent encore se présenter à nous contacter. C'est avec plaisir qu'on les recevra et pourquoi pas qu'on trouvera prochainement nos prochaines dauphines. Elles ont combien de temps pour se faire connaître? Encore jusqu'à fin mars. Voilà. Merci beaucoup, Léana Fougeur, d'avoir accepté notre invitation.